Sylvain est beaucoup, ouais, il est beaucoup plus vif que les autres, beaucoup plus actif. Il nous demande beaucoup. Il se disperse tellement, vous, un moment ça, un moment autre chose, puis chaque chose l'appelle, qu'à un moment donné, il a besoin de nous pour qu'on lui remette des limites, je crois. Non, je crois pas que c'est des problèmes de caractère, mais au début, on l'a senti comme ça, et puis on a agi comme tel. Mm-hmm. C'est-à-dire en le sanctionnant, et puis je pense que c'était là notre erreur. Quel type de maladresse était gênante avec, ou sont encore gênantes avec Sylvain? Plus particulièrement, c'est à la table, pour mon cas, puisqu'en fait, la journée, je travaille, donc je ne supporte pas la journée. Mais à table, c'est des moments privilégiés, on était tous ensemble. Et ouais, il y avait donc renversé les verres à table, les couverts. Bon, je peux donner un exemple, une anecdote. Hein, c'est une anecdote. Lorsque nous étions en chalet en vacances, Sylvain coupe son stick de poisson, c'est pour être facile à manger. Le stick de poisson tombe, il dit « je vais le chercher », mais en allant le chercher, il marche dessus, donc c'est lui qui était par terre. Enfin, c'était une situation qui se provoquait tous les jours, quoi. Tous les jours, il y avait ça. Et si moi j'allais faire du vélo avec lui, on le voit quand il monte sur son vélo, il regarde autre chose, il est arrivé dans une bordure de trottoir. Quand il faut lasser ses chaussures de montagne parce qu'on va marcher, il a des difficultés, non pas les lasser, il y arrivera, mais il aura une très grande nervosité pour essayer d'attacher ses chaussures. Donc il va nous demander de l'aide. Vous pensez que c'est pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à faire tout seul ou... Moi je pense qu'il y a de ça en partie parce que. Suivant quelle activité il fait, il est tout à fait capable de le faire seul et il joue seul. Mais il y a certains moments où on doit être là pour... Pour le canaliser. Ouais, pour le canaliser un peu, parce qu'il c'est un enfant qui a tendance à... Moi, je prenais souvent l'exemple quand il était petit. Il commençait une activité, il jouait à quelque chose. En jouant à ça, il voyait autre chose, parce qu'évidemment, de se centrer sur une chose, ce n'est pas possible. Hein. Il doit voir un tas d'autres choses en même temps. Il voyait une autre chose, alors il laissait tomber cette activité pour faire l'autre. Et il laisse tomber pour en faire une autre. Moi, j'ai l'impression que c'est un enfant qui aime les gestes brusques, où il faut que quand on le touche ou qu'on le prend, on doit le prendre très fortement. Il apprécie pas les caresses toutes douces, ça il aime pas. C'est comme quelqu'un qui est hyper chatouilleux, puis oui, ça chatouille, c'est désagréable. Puis souvent, bon, ben, il fait mal, quoi, mais je crois qu'il s'en rend pas compte. On va avoir un coude dans le ventre, il y aura un genou qui va nous frapper. Bon, il fera pas exprès. Hein. C'est vrai que Julie, souvent, elle veut pas qu'il lui donne un bec. Et puis lui veut lui donner. Et puis il va la serrer très fort pour pouvoir lui donner. Elle va se débattre d'autant plus. Donc c'est nouveau, lui se retrouve face à un échec. Il n'a pas de moment d'arrêt où il suce son pouce. Avant d'apprendre à lire, écrire et calculer, nous devons donner une signification à ce que nous voyons et entendons. Nous devons être capables de planifier nos mouvements et d'organiser notre comportement. Cette capacité dépend de l'efficacité avec laquelle notre système nerveux organise les messages que nos sens lui transmettent. Jean Ayres, c'est l'intégration sensorielle. Notre environnement et notre corps produisent une quantité de messages que nos organes sensoriels transforment en sensations. Les nerfs conduisent ces sensations à notre cerveau qui les interprète, les compare, les coordonne et les sélectionne. Ce travail d'organisation complexe nous permet de planifier nos actions pour être efficaces et adaptées à notre environnement. L'action produit à son tour de nouvelles sensations, le feedback, qui nous permettent de connaître les résultats de notre action et d'ajuster notre comportement. Une action réussie, c'est-à-dire adaptée, procure un sentiment de maîtrise de la situation et de confiance en soi. La spirale illustre l'interaction permanente entre l'action et les sensations. Les sens ne fonctionnent pas isolément. Chacun travaille avec les autres pour former une image complète de qui nous sommes physiquement, où nous nous trouvons et ce qui se passe autour de nous. Pour la plupart d'entre nous, cette intégration se passe de manière automatique et inconsciente. Pour certains, cependant, ce processus est peu efficace. Il exige davantage d'efforts et d'attention sans garantie de précision. Les buts recherchés sont plus rarement couronnés de succès. Le développement de l'enfant est moins harmonieux. Thank you.
Ainsi, l'intégration sensorielle permet, par exemple, d'explorer par le toucher pour préparer le mouvement, de sentir une perte d'équilibre suffisamment tôt pour éviter de tomber, de coordonner les sensations du corps et la vision. Jean Hirsch est une ergothérapeute californienne. Docteur en psychologie, elle a travaillé à l'Institut de recherche sur le cerveau à l'Université de Los Angeles. Son expérience l'a conduite à s'intéresser, dès les années 50, aux enfants qui, malgré une intelligence normale, souffrent de difficultés d'apprentissage dans leur vie quotidienne et à l'école. Elle a, ainsi que de nombreux autres chercheurs, étudié le processus de l'intégration sensorielle et identifier les déficits qu'un dysfonctionnement de l'intégration sensorielle peut entraîner. Elle a développé une méthode comportant des techniques d'évaluation des difficultés de l'enfant et des moyens de traitement. L'approche de Jean Hirsch fait partie de la méthodologie professionnelle des ergothérapeutes. L'art de la thérapie consiste d'une part à suivre et à favoriser les initiatives de l'enfant sans perdre de vue les objectifs du traitement, et d'autre part, à doser les stimulations pour que l'enfant apprenne à les organiser et à agir avec toujours plus de précision. L'intérêt des techniques Jean Hirsch, c'est qu'elle s'est adressée aux éléments sensoriels et moteurs de l'enfant et du bébé, plutôt qu'à des sphères directement intellectuelles. Le tactile est le premier système qui est mature. Ensuite viennent les espaces auditifs, et puis ensuite le visuel. Donc à la naissance, le tactile, ça intéresse toute l'enveloppe corporelle, et c'est très très important. Le vestibulaire est aussi important, puisque c'est toutes les réactions face aux forces de pesanteur qui sont en jeu. Et puis le visuel et l'auditif et l'oral sont centrés sur la tête et interviennent un petit peu plus tardivement. Mais l'essentiel, le primaire, c'est les aspects tactiles et vestibulaires. L'image qu'on a, c'est que l'enfant, ce n'est pas une bouteille qu'on remplit, mais quelque chose qui se structure, qui prend dans son milieu les éléments qui sont utiles à son développement. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'école avec un enfant tel que Sylvain ? En ce qui concerne les activités intellectuelles, il n'y a aucune difficulté. Je crois qu'il a un bon quotient intellectuel. Il est même bon, il est même très bon. Mais dans ce qui concerne la discipline ou les activités manuelles, alors là, les notes ne sont pas toujours très bonnes. Sylvain a quand même des difficultés dans l'écriture. Il aurait tendance, même très fortement tendance, à s'accrocher à son crayon. Donc il tient son crayon très très fort. Et puis, il pèse beaucoup sur le cahier. Il efface aussi beaucoup. Et c'est vrai que, comme il tient très fort son crayon, qu'il appuie son crayon très fort sur le papier, il ne reste pas beaucoup de légèreté et de souplesse pour former des lettres correctes. Alors, les deux fois, les institutrices ont supporté Sylvain, enfin supporté, oui, apprécié Sylvain pendant une année et demie. Et les six derniers mois, c'était la catastrophe. Elle ne savait plus que faire, ça n'allait plus, il n'obéissait plus. Alors on a commencé un traitement d'ergothérapie avec Sylvain à l'âge de 6 ans. Tu vas aller dire bonjour à tous tes doigts, les uns après les autres, puis tu reviens en arrière. Hein? Voilà. Voilà, bravo. Est-ce que tu peux le faire avec les deux mains maintenant? Ouais, bien. Tu vas lever tes deux bras comme ça en arrière, la tête, et puis les jambes. Puis tu comptes. Tu lèves tout. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Alors, Sylvain, maintenant, tu marches sur la ligne bleue, jusque devant toi. Ce qui est important de savoir quand on examine un enfant pour la première fois, c'est déjà d'avoir des informations de la part des parents, d'avoir des informations de la part de l'institutrice ou du médecin. Ensuite, on va observer l'enfant sur les engins, dans différentes activités, libres ou organisées de notre part, pour voir comment ce que lui réagit. Alors, je lui fais passer donc les observations cliniques. On les reporte ensuite sur un tableau comme ça, circulaire, qui nous permet d'avoir une vision assez rapide des domaines qui vont bien et des domaines qui vont moins bien. Non, un rond. Tu me donnes l'autre main. Un carré. On change. Ces tests maintenant sont reportés sur un plus grand tableau. Alors ce qu'on voit ici dans ce tableau, qui est reporté ici sur une courbe de Gauss, en fait, tout ce qui se situe en dessous de moins 1, donc ça fait ici, peut nous faire penser à un problème en intégration sensorielle. Ce qu'on voit tout de suite, c'est que les choses sont très réparties chez Sylvain et que c'est un enfant qui fonctionne extrêmement bien avec tout ce qui est visuel, donc ce qui est en rouge ici. Par contre, on voit ici que tout ce qui concerne l'élaboration du schéma corporel et surtout tout le domaine moteur sont insuffisants. Oui. Et en fait, on peut imaginer que ces difficultés-là sont à l'origine des difficultés actuelles de Sylvain. Tu regardes déjà comment il tourne, ce que tu peux faire. Alors, dans le traitement, on va essayer de proposer à Sylvain des stimulations qui pourra mieux doser, mieux filtrer, afin d'élaborer une réponse qui soit mieux adaptée à son environnement. Il est important que dans une activité que fait Sylvain, que toutes les différentes informations qu'il reçoit de son corps, de sa peau, de ses différents systèmes, de ses systèmes vestibulaires, convergent vers l'activité qu'il va faire. Donc en fait, ce qu'il faut qu'on essaie de faire, c'est un petit peu marche arrière et de reconstruire les choses sur des bonnes bases pour que l'enfant puisse reprendre confiance en lui. Ah, d'accord. Hein, donc, par exemple, tous les engins qui lui permettent des mouvements vont l'aider à recevoir des stimulations vestibulaires et à construire sa motricité, à augmenter son équilibre et aussi à améliorer son tonus. Si on peut augmenter le tonus de Sylvain, on va l'aider à se stabiliser. Comment on s'amuse, Sylvain peut entrer dans vos objectifs de traitement? Alors déjà, les engins, ils vont donner à Sylvain un certain nombre d'informations sensorielles, vestibulaires, tactiles, proprioceptives. Donc tous les jeux et tous les engins qui sont proposés à Sylvain vont dans le sens de lui offrir des stimulations. Oui, c'est important donc, que dans le traitement, on puisse aider l'enfant à retrouver une certaine sécurité sensorielle, qu'il puisse avoir des réponses de qualité suffisantes. Et l'aider à découvrir de quoi il est capable, mais aussi à gérer ses réussites et aussi ses échecs. Sylvain a un seuil de tolérance aux frustrations qui est très bas. En fait, l'enfant va s'orienter vers les engins qu'il est capable de gérer, de maîtriser, et en même temps, il va chercher à construire quelque chose dessus. Donc, en fait, son cerveau va lui-même s'organiser. Nous, on va proposer à l'enfant un environnement, un cadre de travail, mais c'est lui qui va élaborer lui-même son activité. Non,
Pouvez-vous donner les caractéristiques des enfants à qui vous proposez ce type de thérapie? Ce sont des enfants qui sont d'intelligence normale et qui souffrent de leurs difficultés et qui, à cause de ces difficultés, sont mal adaptés à leur milieu familial ou scolaire. Ce sont des difficultés de coordination motrice globale, des réactions d'équilibre qui sont encore insuffisamment développées, une insécurité posturale, des difficultés dans l'organisation de l'espace ou dans la représentation du corps dans l'espace, aussi des difficultés dans la planification d'une activité motrice. Donc l'enfant, par ses difficultés, est mal adapté à ce qu'on attend de lui. Comme il est mal adapté, il est angoissé par rapport à ses difficultés. L'environnement ne le comprend pas ou pas bien et augmente encore l'angoisse de l'enfant. Les enfants qui ont des difficultés d'intégration sensorielle, de manière caractéristique, leur plateforme sensoritonique, leur équilibre sensoritonique est fragile et leur plateforme est étroite. Ils sont très vite débordés par des stimulations d'un côté, ou bien très vite, ils tombent dans des aspects répétitifs, obsessionnels. Et tout le travail éducatif vise pas tellement à leur donner des moyens nouveaux, mais simplement à élargir leur plateforme, leur équilibre sensoritonique. Donc on voit bien que le fonctionnement de l'organisme, le tonus et sa modulation, chez le tout-petit, est très en lien avec l'émotion. Et puis c'est une fois que ce lien est construit, que le tonus va devenir point d'appui pour les fonctions instrumentales. C'est pour ça qu'il faut poser l'indication plus tôt possible. Très bien. Va pas trop vite, rappelle-toi, les talons doivent toucher les orteils. Olivier a des difficultés qui ressemblent à celles de Sylvain. Hyperactif et maladroit en général, instable en classe, il tombe souvent en donnant l'impression de ne pas voir les obstacles. Son tonus musculaire est bas. Vanessa a quelques difficultés de langage et une maladresse, mais c'est surtout son comportement qui pose problème. Angoissée, parfois brusque et agressive, elle a des périodes d'hyperactivité incontrôlée. Elle présente une mauvaise organisation des deux côtés du corps qui pourrait être due à une intégration insuffisante des stimulations vestibulaires et tactiles. Son tonus musculaire est bas. Vanessa a de la peine à suivre des yeux un objet mobile sans s'arrêter au passage de la ligne médiane, ce qui est un signe de coordination insuffisante des hémisphères cérébraux. En quelques mois de thérapie, Vanessa a fait de grands progrès. Elle suit maintenant un objet des yeux presque sans saccade. Elle est plus stable dans sa posture et dans son comportement. Elle se concentre mieux et dose de façon plus adéquate la distance relationnelle avec les autres. Myriam éprouve des difficultés à planifier ses mouvements afin de bouger son corps et d'utiliser des outils. Ainsi, toute activité est laborieuse, que ce soit à l'école ou à la maison. La compréhension est bonne, mais une fois qu'elle a l'outil dans la main, elle ne sait pas comment s'y prendre, surtout dans les situations inhabituelles. Elle perçoit insuffisamment les sensations tactiles, proprioceptives et vestibulaires. Elle est gauchère, mais lors des tests tactiles, les résultats sont meilleurs à droite qu'à gauche. Thomas est plus maladroit et plus lent que sa sœur jumelle, dans toutes les activités de la vie quotidienne et à l'école. Ses réactions d'équilibre sont immatures. Il a de la peine à coordonner les différentes parties de son corps et à faire un mouvement sans que tout bouge en même temps. Thomas supporte mal les mouvements rapides,
et surtout les mouvements circulaires. Au bout d'un an et demi de thérapie, les progrès de Thomas sont évidents, bien qu'il reste moins habile que sa sœur. Aline souffre d'un retard psychomoteur global. Elle a de la difficulté à percevoir son corps et à organiser ses mouvements. Va plus vite. T'as vu ? L'approche Jean Earls lui est bénéfique ainsi qu'à d'autres enfants présentant des pathologies telles que par exemple l'infirmité motrice cérébrale, la déficience mentale, l'autisme infantile ou des troubles visuels. Avec les deux mains maintenant. Après un an de thérapie, les progrès de Sylvain sont significatifs. Moi, je participe à toutes les séances d'ergothérapie. Ça vous semble important que les parents participent et voient ce qui se fait? Pour moi, ça me semble important parce que je pense que j'apprends beaucoup. C'est-à-dire que pendant les séances d'ergothérapie, on arrive un petit peu à voir quelles sont les difficultés de Sylvain, où elles se situent, et puis aussi quelle tactique l'ergothérapeute utilise par rapport à certaines difficultés que nous, on peut rencontrer aussi dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai que ça aide pour notre quotidien. Nous, on peut lui dire, je pense que tu y vas un peu fort, je pense qu'il faut contrôler tes gestes, y aller moins brusquement. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un point positif du traitement, c'est qu'on peut lui expliquer le pourquoi des choses et le pourquoi des réactions des gens. Attention, les mains doivent servir à rattraper le coussin. Hop. Il est lourd celui-là. Hein. Tu es prêt? Et après, on pourrait regarder dans la télé, la caméra. Oui, oui. Toi, ça, j'aime bien. On va acheter un peu d'œil. Ah bon, on va mettre dedans. Celui-là, il était lourd. Bien. Change de côté. Ouais, bien. Pour moi, au niveau scolaire, je demandais qu'on prenne mon traitement à quelque part. Je ne savais pas trop où. Du fait qu'il était très, très dissipé. Il bougeait beaucoup. Il bougeait énormément. Quand il était assis à sa table, à sa place, c'était une minute et ensuite il devait se lever, aller chez les camarades. Ce qui donnait comme résultat que tout son travail n'était pas fait ou très très mal fait. Et au niveau du graphisme, qu'est-ce qu'il pouvait produire à l'époque Alors il produisait très peu de choses claires en fait. Il y avait beaucoup de mouvements, très peu précis. Et justement, au niveau scolaire, ce qui est écriture, pré-écriture, il avait énormément de peine à suivre ce que nous faisions. Ouais. Et puis aujourd'hui, alors maintenant, la situation de janvier 1994, comment ça se passe? C'est un autre Olivier en classe. C'est un Olivier qu'on aperçoit moins.
dans le sens où il se déplace moins, il est beaucoup moins maladroit. Et ce qui est très très positif, c'est qu'il a envie, très très envie d'avancer, de faire des progrès. C'est un enfant très appliqué. Voilà. Justement au niveau matricité, maintenant il arrive à maîtriser ses gestes, à tenir son crayon, à utiliser ses lignes plus ou moins bien. Mais moi, alors par contre, j'ai une autre marque. Je trouve que son dessin est très bien fait. Il a positionné ses objets juste, la maison, l'arbre. Ce qui est en haut, c'est dans le ciel, c'est juste. Et puis, par rapport à Olivier en général, je trouve que c'est un petit bonhomme qui est beaucoup plus souriant qu'avant. Qui est plus souriant qu'avant, voilà. Avant, il me semblait qu'il supportait, qu'il subissait ce qui se passait à l'école. Au niveau du alors que maintenant, il est avec nous à l'école, il s'intéresse à ce que nous on fait et il participe. Eh bien oui, je souhaite que cette thérapie soit utilisée à bon escient, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas mise en route sans que le médecin demandeur n'ait effectué de bilan préalable, de bilan des difficultés. Cela peut être le pédiatre, le neuropédiatre ou un autre médecin. Et que ce premier bilan soit suivi d'un bilan précis par l'ergothérapeute afin de bien fixer les objectifs de traitement et d'évaluer approximativement la durée du traitement. Il faut vraiment avoir l'idée qu'il y a plusieurs approches qui sont complémentaires et que l'enfant, ce n'est pas un état, mais c'est un processus. Quand on fait un examen, c'est une visite de chantier. Et les techniques d'intégration sensorielle, c'est des échafaudages qu'on offre à l'enfant. Ces échafaudages, ils sont utiles pour construire. Et puis un petit moment plus tard, quand c'est construit, ces échafaudages peuvent gêner et il faut les démolir, les déplacer. Donc les appuis qu'on va offrir à l'enfant sont des appuis transitoires à certains moments du développement. Ça peut être les techniques Gynaerce, à d'autres moments, ça peut être d'autres outils. Et puis se rendre compte qu'on a un outil fantastique parce qu'il respecte l'enfant, parce qu'il permet d'offrir à ses enfants un espace dans lequel il peut être auto-organisateur.